Leurs logis ont été complètement ravagés dans un incendie en novembre dernier. Trois mois plus tard, les sinistrés, composés de quatre familles de Cité-Sainte-Catherine, habitent le Village Hall du Saint-Pierre. Parmi les 25 personnes qui cohabitent dans cette pièce, se trouvent deux femmes qui ont récemment accouché. Depuis le 3 novembre, une trace d'une passe sur nous, qui nous la case imprentifée. Depuis le 4, nous dans le Village Hall à Saint-Pierre-Sainte-Catherine. Mais au fait, le 4 janvier, mon accouché, mon bébé s'est accouché le 20 février. Mais depuis ça, nous pouvons attendre une aide pour, enfin, pour nous réussir. Comme je dis, tous les jours, nous sommes capables de nous bâtir des affaires pour nos enfants capables à l'école. Parce que mon Michel, il m'a son côté gagné, il va te battre. Et mon bébé, c'est pareil, mon beau-frère, c'est côté gagné, il va te battre. Mais nous, nos enfants, comme si dire, nous attendons une solidarité pour nos du monde, comme si, aide-nous. Parce qu'il n'est pas évident avec les enfants qu'on fait qu'accoucher ou ici dans le village hall. Enfin, on peut faire un appel, s'il vous plaît, à tout le Mauricien, un petit aide pour nous des bébés. Moi, je suis un garçon et mon bébé, c'est une petite fille. Au fait, ce que moi, je peux gagner, je peux aider dans ma façon. Mais ce qui m'a demandé, c'est si vous êtes en bonne condition, ce qui n'est pas servi pour bébé, mais ce qui est en bon état, s'il vous plaît. Vous êtes capable d'aider-nous, aide-nous bébé. Parce que pour nous, ce n'est pas facile que mon bébé puisse dormir en bas, il puisse être pour mettre ce bébé pareil comme moi. Mais comme on peut demander, mon papa demande juste pour moi. Qu'il y ait un leur moi, même il y a un buffet qui est en bon état, qui n'est pas servi, s'il vous plaît. Aide-nous.